nous avez caché ça? Pourquoi? On a tous nos secrets, capitaine. Mais pourquoi j'ai pas été informé? Considérez-vous bien informé maintenant, John. Génial, on est bien avancé. Merci, général, mais vous avez un jour et un missile de retard. Il y en avait trois, on en a que deux. Je vous conseille d'analyser vos erreurs et de les corriger. Et qui corrigera les vôtres, hein? Je n'ai rien à corriger. Je suis un patriote qui défend son pays. Vous défendez votre cul, oui. Je fais ce qui doit être fait, sans que personne ne me dise quand ni comment. Je sais ce qui est bon pour la cause. Vous avez perdu la tête, général. Et vous, vous avez oublié pourquoi vous vous battez, John. Pour faire le bien, vous devez aussi faire le mal. Et les erreurs doivent être enterrées, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Mais on devrait pas s'enterrer avec non plus. Vous devriez arrêter de me juger et lutter contre le véritable ennemi. Vous devez rappeler votre chien. Graves? Ouais. À votre place, je me méfierais. Il n'apprécie guère qu'on touche à ses jouets. C'est votre dernière chance pour changer d'avis. Sinon quoi? Quand je lui aurai réglé son compte, ce sera votre tour. Putain. Et je rigole pas, Chris. Onale! Vaqueros! Ouvrez l'attention! Écoutez-moi. On va reprendre votre QG. Libérez nos prisonniers. Et tuer le commandant Graves. Quand? Maintenant. On va devoir combattre les nôtres. C'est plus la 141 d'un côté et Vaqueros de l'autre. On fait équipe. L'équipe Ghost. Oh. C'est bon de te revoir, Simon. Hein? Si vous venez, prenez un masque. Sinon, faites rien. Le complexe des Fuerzas Especiales est bien mieux que les Shadows. Ça nous donnera un certain avantage. Attention, ils seront en état d'alerte à cause de l'évasion. Deux équipes Ghost infiltreront la base. Équipe 1, Capitaine Price, Gaz, un pilote et moi-même. Équipe 2, Ghost, Sou, Rudy et Los Vaqueros. L'équipe 1 prendra les tunnels pour accéder au tarmac et réquisitionner un hélico. Mon pilote fera décoller le capitaine. L'équipe 2 attendra à l'extérieur jusqu'à ce que Price tire sur la porte d'entrée. Une fois ouverte, elle ira à la recherche de Grace. Il y a de fortes chances qu'il soit dans mon QG, protégé par ses meilleurs tireurs. Pendant que Gaz et moi trouverons et sécuriserons Valeria, l'équipe Ghost numéro 2 débusquera Grace et le tuera. Quatre Ghosts dans le tunnel. Reçu, nos codes marchent encore. Affirmatif, quelle est ta situation? Un clic de la porte avec Soap et Ghost. Reçu, attendez. Terminé. Beau travail, Alejandro. Gaz, suivez-le, on y va. Feu à volonté, hermanos. Attention. Ouais. Stop, écoutez. Des pièges. Enfoiré de Graves. Voyons voir. Je lance un fumigène. Bordel de merde. C'est un putain de traquenard. On va devoir les désactiver. Bien sûr. Attention. C'est fait. Bien. Il y en aura d'autres. Dans l'oreille. Envoie un fumigène, sergent. Allez. Les lasers bougent et sont bloqués par les conduits. Ils vont profiter pour passer. Bien vu, colonel. Ça me fait mal au cœur de voir ça dans ma base. Quand on aura retrouvé Kyle, je lui réserverai une mort lente. Avancez dès que possible. Reçu. À toi de jouer, Gaz. C'est bon. Il y en aura d'autres. En avant. Mes hommes utilisent ces tunnels pour s'entraîner aux opérations d'évasion. Vous vous rappelez ce qu'on fait, Vaquero? Comment oublier, commandant? Vous nous avez bien entraînés. Vous êtes un bon soldat.
Quand tout ça sera terminé, je vous inviterai tous à manger des tacos al pastor. C'est bon. Avancez. Allez, tu allez, vois cette porte? Tourne à gauche. Psst. On n'est pas tout seul. Des shadows. Combien? 3. Occupez-vous de celui de droite. Prenez-en un, je m'occupe des autres. Excellent tir. C'est un putain de labyrinthe ici. Exécution, couille. Heureusement que je suis là. Par ici. Graves a passé des pièges, mais il a pas pensé à changer les codes. Oh, il s'attendait pas à nous voir débarquer. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ça nous amènera à la surface. Allez, allez. Attention, il pourrait y avoir d'autres charges. Vous entendez ça? Fumigène, sergent. Vous aviez raison, capitaine. Après toi. Baissez-vous, passez dessous. Contact! Ils savent qu'on est là. Certainement, mais il a peut-être pas eu le temps d'appeler les renforts. Là où on trouvera des hélicos sur la vague, mon pilote vous fera décoller, capitaine. Reçu. Désactivons ces pièges et fichons le camp d'ici. C'est bon, on peut y aller. Suivez-moi, tout droit puis à droite. Ne tirez pas. On est en plein cœur de la base. On réquisitionne un hélicoptère et on vous fait décoller, capitaine. Gaz, tu viens avec moi. Allez, 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 va, Gaz. Monte, monte, monte. Je te suis. Je suis derrière vous. Oh, c'est jour. J'envoie deux près de l'hélico. Neutralise-les. Plusieurs shadows près de l'hélico. Tue-les. Bien visé. Bravo 6. La voie est libre jusqu'à l'hélico. Fais-le décoller, mais garde la radio allumée. À vos ordres. Alejandro, votre pilote est bon? C'est le meilleur. Bonne... C'est quoi le code? 6 de 7, si tout va bien. Parfait, ça fonctionne. Génial. Fume. Ghost, prêt. Compris. Bonne chance, capitaine. Allez, allez, allez. Dernière mission, je crois. À tous les ghosts. Je survole la zone. Bien reçu, bravo 6. Deux approches de la porte. Tu pourras faire feu une fois qu'on aura marqué la cible. Je pense que Graves se planque dans le QG. Une fois entré, on se sépare. Le soutien aérien ouvrira la voie. Pendant que les Shadows prennent la fuite, on localise Graves et on le tue. Compris? C'est très clair, lieutenant. À tous les ghosts, préparez-vous à entrer. Soap, prends le désignateur et marque les cibles pour Price. Bien reçu. C'est bon. Porte de sécurité sur notre gauche. Cible marquée. C'est quand tu veux. Bien reçu, j'envoie. Bravo 6. Reçu, rejoignez le QG et trouvez Graves. Alejandro, profitez de la confusion pour chercher Valeria. Avec moi. Go, go, go. Si Graves est encore dans le QG, on doit se dépêcher de le trouver. Sauf, ici bravo 6, on attend ton feu vert. Commande de soutien, cible marquée. Cible confirmée, peu à volonté. On attend ton feu vert. Commande de soutien, cible marquée. Cible confirmée, peu à volonté. Oula.
quelque part dans le QG. Ouvre-le. C'est pas possible ça, putain. Mind-toi, Soap. Graves est quelque part dans le QG. Allez, ça dégage. Sauf, soutien aérien en attente d'ordre. Traverse les barres du bâtiment principal. C'est le QG. Graves sera là-bas. Commande de frappe à ses coordonnées. Cible en vue, attaque en cours. Oh! What the fuck? La tour devrait nous aider à nous rapprocher du QG. Sur ses coordonnées. Bien reçu, j'attaque la cible. Cible marquée. Cible en vue, attaque en cours. Allez, Price. Soutien aérien. Cible marquée. Autorisation de faire feu. Cible confirmée. Feu à volonté.
bon, c'est bon, on frappe. Crane est sans doute à l'intérieur. Ton drapeau flotte encore au-dessus du QG. J'espère bien qu'il continue. Soap, essaye d'ouvrir la porte. Sergent, ouvre la porte. C'est verrouillé. Allez. Rudy, qu'est-ce que t'as ? Une charge explosive. Pas mal. Éliminez toutes les menaces. Si vous voyez Graves, abattez-le. Hé, hey, Rudy. Je suis désolé pour ta base. Moi aussi, mon frère. Allons-y. 3, 2, 1, explosion ! Parfait, ça fonctionne. Génial, suis-moi. Tous les ghosts, allez dedans. Compris. Bonne chance, capitaine. Ça grouille dans le château. Reste discret si tu tiens à la vie. Bien sûr, je te suis. Personne peut faire de bonnes choses. Et les bonnes personnes peuvent en faire des mauvaises. C'est pas faux. Putain, c'est chaud là. J'approche de ta position. Tu veux dire quoi, Bingo, en fait ? Je te vois. On va analyser le terrain. Tu vois ? Non, on y est presque. Le hangar est par là. T'éloigne pas. Ok. Oh. Je savais pas tout ça. Attention ! La porte extérieure est ouverte. Le code 627. Valérie est dans un conteneur au bout du hangar. Elle sera sous haute protection. Restons discrets. Dégagé. Dirige-toi là. Valeria ! Alejandro ! Bingo. On sécurise la position jusqu'à ce que Soap Ghost et Rudy aient capturé Graves. Gaz pour Bravo 6, prisonnière sécurisée. Reçu, restez sur vos gardes. Autour de Graves. Rodolfo connaît le code des portes ? Non. Il y a quelque chose de légèrement plus puissant. Qu'il y a une balle dans la tête, mon frère. C'est verrouillé. Rudy, là, qu'est-ce que t'as ? Dans l'action, là. Je parle pas trop les gars, mais là pas c'est parce mal. Que je suis dans l'action. Éliminez toutes les menaces. Si vous voyez Graves, abattez-le. C'était deux équipes différentes. Hey, Rudy, je suis désolé pour ta base. Moi aussi, mon frère. Vas-y. 3, 2, 1, explosion. Contact au premier étage. Il s'enfuit, faut le rattraper. Go, go, go ! En avant ! Hey ! Mettez-vous à couvert !
crois que c'est bon. Faut rejoindre la salle de contrôle. Il y a une porte arrière. Graves, t'as dû passer par là. À toutes les unités, Graves vient de franchir le mur. On est touché. On perd de l'altitude. On va s'écraser. Quel merdier. Capitaine. Connard, Graves. On doit le suivre et l'arrêter. Je te tiens. Monte. Allons tuer cette pourriture. Prends ma main. Ghost, tu viens? Non, Price et le pilote ont besoin de moi. Je vous laisse gérer le reste. Regarde! C'est pas à nous, ça. Mais merde! Graves se ramène dans un putain de temple! Jamais! Les rôles ont été inversés. Les chasseurs sont maintenant les chassés. Ça doit faire trop drôle. Je vais me le faire, cet enculé! Il va nous falloir une bonne puissance de feu pour détruire Graves et son temple. C'est notre terrain d'entraînement. Tu devrais trouver ton bonheur sur... So, trouve du C4 à utiliser contre le tank. Toi et tes amis mexicains, vous auriez pas dû m'énerver, McTavish. Sors de là, qu'on discute. On rigole plus, là, les gars. Vous voulez jouer à la guerre? Alors on va s'en faire une bien fumante. Je vais devoir vous tuer l'un après l'autre. Qui veut passer en premier? Va te faire foutre, Graves. T'as vraiment aucun respect pour l'autorité, So. C'est ça qui me plaît chez toi. T'es le petit chien de Shepard. On te paie pour enfreindre les règles. Il y a que deux règles ici, mes amis. Fuir ou vaincre. Devinez ce que j'ai choisi. T'aurais dû rentrer chez toi tant qu'il était encore temps, sauf... Toi et... cet idiot masqué. Vous vous cachez derrière cet uniforme. Cherche bien, sergent. Il devrait y avoir tous ces cas. Tu l'as porté, toi aussi. Cet uniforme était un frein pour moi. Je me suis débarrassé de cette peau. Comme un putain de serpent. Comme un putain de soldat, sauf. Tu t'es senti obligé de créer ta propre petite armée, parce que t'étais pas taillé pour la vraie. C'est presque drôle venant de toi. Mais bon, je suis passé par là, moi aussi. Tu t'es engagé sur une voie dangereuse. Je t'ai dit de rentrer chez toi, mais t'as pas... Tu paieras pour ça. Je voulais lui mettre au cul, mais en fait, faut que je le mette sur la route. Plus que jamais. Les rôles ont été inversés. Les chasseurs sont maintenant les chassés. Ça doit faire tout drôle. Je vais me le faire, cet enculé. Il va nous falloir une bonne puissance de feu. Graves et son tank. C'est notre terrain d'entraînement. Tu pourrais trouver ton bonheur, tu peux le chercher. Le C4, saute. Utilise-le contre le tank de Graves. Toi et tes amis mexicains, vous auriez pas dû m'énerver, McTavish. Sors de là, qu'on discute. On rigole plus, là, les gars. Vous voulez jouer à la guerre? Alors on va s'en faire une bien fumante. T'as attiré l'attention de Graves. On va s'en faire une bien fumante. T'as attiré l'attention de Graves. Enculé, si je remeurs là direct, mes couilles quoi. On va s'en faire une bien fumante. Ça a attiré l'attention de Graves. Je vais devoir vous tuer l'un après l'autre. Qui veut passer en premier? Va te faire foutre, Graves. T'as vraiment aucun respect pour l'autorité. C'est ça que tu fais chez toi. On va s'en faire une. Bien fumante. Ça a attiré l'attention de Graves. Je vais devoir vous tuer l'un après l'autre. Qui veut passer en premier? Va te faire foutre, Graves. T'as vraiment aucun respect pour l'autorité, sauf. C'est ça qui me plaît chez toi. T'es le petit chien de Shepard. On te fait pour enfreindre les règles. Il y a que deux règles ici, mes amis. Fuir ou vaincre. Devinez ce que j'ai choisi. J'aurais dû rentrer chez toi tant qu'il était encore temps, sauf. Ouais. C'est oh, merde. Vous vous cachez derrière ce putain. On va s'en faire une bien fumante. Ça a attiré l'attention de Graves. Je vais devoir vous tuer l'un après l'autre. Qui veut passer en premier? Va te faire foutre, Graves.
T'as vraiment aucun respect pour l'autorité, Soap. C'est ça qui me plaît chez toi. T'es le petit chien de Shepherd. Où te paie pour enfreindre les règles. Y'a que deux règles ici, mes amis. Fuir ou vaincre. Devinez ce que j'ai choisi. J'aurais dû rentrer chez toi tant qu'il était encore temps, Soap. Cet idiot masqué. Vous vous cachez derrière cet uniforme. Soap, trouve du C4 à utiliser contre le tank. Tu l'as porté, toi aussi. Cet uniforme était un frein pour moi. Je me suis débarrassé de cette peau. Comment tu te dis, c'est bon. Oh, il est cuit, voilà. Comme un putain de soldat, Soap. T'es senti obligé de créer ta propre petite armée, parce que t'étais pas taillé pour la vraie. C'est presque drôle, non? Mais bon, je suis passé par là, moi aussi. Je suis engagé sur une voie dangereuse. J'ai dit de rentrer chez toi, mais t'as pas voulu m'écouter. Tu... Bon, là, 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 là. Il est compliqué là ce combat. C'est compliqué. Oh, il est cuit comme un putain de soldat, Soap. T'es sorti obligé de créer ta propre petite armée parce que t'étais pas payé pour la vraie. C'est presque drôle venant de toi. Mais bon, je suis passé par là. Enculé. Bah là. Comme un putain de soldat, Soap. T'es senti obligé de créer ta propre petite armée, parce que t'étais pas taillé pour la vraie. C'est presque drôle venant de toi. Mais bon, je suis passé par là, moi aussi. Le tank que tu es, c'est vulnérable aux explosifs. Continue de le secouer. Tu t'es engagé sur une voie dangereuse. Je t'ai dit de rentrer chez toi, mais t'as pas voulu m'écouter. Tu paieras. Sois réaliste, Johnny. Dans une semaine, je tirerai une défilade tranquillement, tandis que vous partez en terre. On va pas croire que les 1-4-1 sont tes amis, Rodolfo. Ils sont les amis de personne. Ils en ont rien à foutre de toi. Quand vous serez tous réunis, tes soi-disant amis abandonneront l'autre Kéros à leur... Yes. Enfin. On a réussi, ça. On a réussi, Hermano. Combattre un tank à pied. Ça, c'est fait. Tu m'étonnes. Soap pour Ghost. C'est compliqué, hein. Je suis avec Rudy. Graves est mort. Comment va Price? Il rage. Il a perdu un cigare dans le crash. Le pilote aussi va bien. Terminé. Alejandro, la base est sécurisée. Graves est mort. Voilà. On vous rejoint. On va tuer la tente-cul, les gars. ¿Qué pasó, vaquerito de mierda? ¿Comenzaste una guerra? Te persigue la violencia a todas partes, me cae. No hice ningún trato contigo. Fueron ellos. Esa fue tu cagada, precisamente. Tu savais pour le troisième missile. Oh, oh, je les ai pas comptés. D'autres font ça pour moi. Elle ment. Où est Hassan? Où est l'autre missile? À Chicago. Oh. C'est quoi ce bordel? J'ai promis de vous dire où il se cachait, j'ai pas dit que je l'arrêterais. T'es une sale pourriture. Vous pouvez pas dire que je vous avais pas prévenu. J'ai un business à faire tourner, señores. Grandir ou mourir. Le monde fonctionne ainsi. Tu t'es mis une cible dans le dos? Non. J'ai mis une cible sur Chicago. Maintenant, foutez le camp de la Salmas et allez la trouver, pendejos, cassez-vous. Pour l'instant, on te la laisse. Mais on viendra. Je m'en réjouis d'avance. On bouge. Allez, viens, toi. Tops. Soap, prépare le transport et préviens Laswell. Hassan et le missile sont à Chicago. Ce soir, la Salmas dormira tranquille. Je serai libre dans 24 heures. Pas sûr que vous ayez cette chance, Vaqueros. Tu vas payer pour ce que t'as fait. Peu importe ce que j'ai fait. Sans preuve, c'est que du vent. Partez, vous avez du boulot. Bats-toi pour la bonne cause, Hermano. Jusqu'à la mort, mon frère. Bonne chance, amigos. Ghost, donne de tes nouvelles, vieux frère. Compte sur moi. Un signe nombreux nous a dit qu'ils avaient fait entrer le troisième missile aux États-Unis, via le port de Chicago.
Hassan et les soldats d'Al-Qatala l'accompagnent. On sait pas exactement où se trouve le missile, ni où il va. Mais on sait qu'Hassan a été escorté jusqu'à un bâtiment du centre de Chicago détenu par une société écran du cartel de la Salmas. La police est sur place pour boucler les rues autour du bâtiment. Ils ont été envoyés pour chercher un conteneur volé rempli d'armes. Ils ne savent pas qu'il s'agit en fait d'un missile. On pense qu'Hassan s'est retranché dans une salle de serveur fortifiée au 54e étage de cette tour. Je resterai au sol pour localiser le missile. Et Marines et moi, on arrivera par la Chicago River pour rentrer au rez-de-chaussée. Je prendrai position dans un bâtiment en face de l'objectif pour vous offrir un soutien armé. Deux hélicoptères se poseront sur le toit du bâtiment cible. Dans l'un, une équipe de Marines, et dans l'autre, Soap et moi-même. Pendant que Gaz et les Marines remonteront le bâtiment, Price et Soap le nettoieront en partant du toit jusqu'à la salle des serveurs pour prendre Hassan en étau. Notre principal objectif est de localiser et de désactiver le missile. Mais vous avez l'autorisation d'exécuter Hassan. Watcher 1 pour Leader Bravo 6. Périmètre sécurisé. On a peut-être localisé le conteneur du missile, on se rend sur place. Entendu. À tous les Bravo, mettez-vous en place. On y est. 05, bien reçu. Bravo 6-2 est à 20 secondes du bâtiment cible. Les meilleurs soldats d'Al-Qatala sont à l'intérieur. Ghost, mets-toi en position.